Alors, salut, salut les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez en super forme. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo tutoriel dans laquelle je vous présenterai toutes les fonctionnalités de la plateforme d'échange Binance. Je reçois régulièrement des questions sur la création et la sécurité d'un compte Binance, la vérification de son compte Binance pour exploser le plein potentiel de la plateforme, achat de crypto par carte bancaire ou par carte Visa sur Binance, comment est-ce que vous pouvez faire des dépôts et des retraits sur la plateforme d'échange Binance, comment est-ce que vous pourrez échanger des crypto-monnaies entre eux, la notion d'ordre de marché, ordre stop et ordre limit stop. J'ai du coup décidé de faire une courte vidéo explicative sur toutes ces notions qui embrouillent souvent la plupart des débutants, mais qui sont quand même d'une très grande importance. Dans la prochaine vidéo, je partagerai avec vous, je parlerai du staking, du lending, des launch pools, des launch pads. Et en bonus, je vous présenterai la Binance Academy et comment cet outil pourra vous permettre de développer vos connaissances dans la crypto-monnaie. Alors, donc, n'hésitez pas à vous abonner en même temps à la chaîne pour ne pas louper la prochaine vidéo. On commence avec celle-ci. Alors les gars, je vous ai mis un lien dans la description, le lien en première description. Cliquez sur ce lien et vous allez apparaître sur la page qui est devant moi. Et donc, en cliquant sur ce lien, vous avez 40% de réduction sur toutes les frais que vous allez, sur tous les frais que vous allez payer sur la plateforme Binance. C'est quelque chose de lourd. Donc, quand vous venez sur la plateforme, si vous cliquez sur ce lien, vous allez apparaître sur cette plateforme comme ceci. Et vous allez mettre votre adresse mail. Moi, je vais mettre une adresse mail tout simplement. Et vous allez mettre un mot de passe. Le mot de passe va commencer par une lettre majuscule. Et je vous recommande que ça fasse au moins 16 caractères. 16 caractères. Bon, minimum 10. Oui, 10 caractères. Et donc, ce que vous allez faire, dès que vous allez mettre votre adresse mail définit votre mot de passe. Vous cliquez sur Create Account. C'est en anglais, donc vous cliquez sur Create Account, créer le compte. Et donc, du coup, ça va vous afficher ce petit truc-là. Vous allez le déplacer très légèrement dans le cadre. C'est une étape de vérification. Vous le faites et puis ça sera validé. Vous allez créer votre compte. Ils vont envoyer un code de vérification. Vous avez 60 secondes, d'accord, pour vérifier. Donc, vous devez être rapide. Vous avez 60 secondes pour vérifier ce code. Donc, vous allez aller dans votre adresse mail. Ils vont vous envoyer un code. Vous venez, vous mettez ce code. Alors, une fois votre adresse mail confirmée, vous allez descendre sur le tableau de bord. Et donc, du coup, la seconde chose que nous allons faire, c'est d'aller activer le two-factor. La sécurité, d'abord d'aller assurer la sécurité du compte. Donc, vous allez cliquer sur ceci, d'accord? Ce logo-là. Vous allez dans sécurité. Et dans sécurité, vous avez le two-factor authenticator. Vous avez le two-factor authenticator. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'activer le two-factor authenticator. Et le two-factor authenticator, c'est une seconde d'approbation avant d'avoir accès à votre portefeuille, en fait. Donc, après que vous ayez mis votre adresse mail et votre mot de passe, ça vous demande encore une seconde confirmation avant de pouvoir vous donner accès à votre portefeuille. Et là, c'est pour éviter les arnaques, les usurpations d'identité, au fait. Et la seconde chose que vous allez activer après, parce qu'on parle de two-factor authenticator, il y a le Google Authenticator, il y a plusieurs outils. Vous pouvez activer le two-factor authenticator par YubiKey, c'est un outil de génération de code. Vous pourrez utiliser Google Authenticator, c'est-à-dire vous l'activez. Vous pourrez utiliser SMS
C'est-à-dire, vous mettez un numéro et ils vont vous envoyer un code sur ce numéro pour que vous puissiez confirmer avant de pouvoir avoir accès ou pour utiliser agrégatement votre adresse mail. Mais ce que moi, je vous recommande, c'est le Google Authenticator. Donc, c'est très simple. Vous allez dans Google Play Store, vous téléchargez Google Authenticator et vous venez ici. Vous cliquez sur activer parce que avec ce compte, j'ai déjà activé le Google Authenticator sur ce compte. Vous allez voir qu'il y a déjà les quatre niveaux qui sont déjà activés. Et donc, vous cliquez sur activer Google Authenticator, vous suivez le processus. Et donc, du coup, ça va vous demander de scanner un code. Vous allez scanner le code avec l'application Google Authenticator. Et donc, ça va donner un code sur votre téléphone que vous allez venir insérer. Et donc, du coup, ça sera activé. Après, le Google Authenticator, c'est le Withdraw Whitelist. Donc, vous allez donner une limite maximale de retrait par jour, en fait. Une limite que vous ne pouvez pas dépasser par jour. Donc, s'il arrive un jour que quelqu'un ait accès à votre portefeuille, il ne pourra pas faire de retrait plus que. En fait, il y a certaines limites. La limite que vous avez journalièrement sur votre compte, il ne pourra pas dépasser cette limite, au fait. Donc, c'est ce que Withdraw Limit, ça veut tout simplement dire. Donc, vous allez ajouter certains projets, certaines cryptos dans un whitelist. Et donc, dans cette liste, tous les projets qui sont dans ce whitelist-là ne pourront pas subir de retrait au-delà d'un certain montant donné pendant 24 heures. Donc, je vous suggère de l'activer. Ça ne vous prend rien. Mais ça assure la sécurité de votre compte. Et le second, c'est le code. Le troisième, plutôt, c'est le code anti-phishing. Le code anti-phishing, c'est quoi? Et vous allez voir, il y a plusieurs personnes qui viennent, des gens qui vont créer des adresses mail sous le nom de Binance, peut-être pour vous envoyer des messages, vous demandant accès à votre portefeuille. Donc, ça, on appelle ça de truc là, de l'usurpation d'identité. Donc, pour savoir si le mail que vous avez reçu est effectivement envoyé par Binance, vous allez donner une identification personnelle à Binance. C'est-à-dire, vous allez choisir un code. Et donc, du coup, tous les messages que Binance va vous envoyer va contenir ce code tout simplement. Genre, vous pourrez prendre, par exemple, vous pourrez prendre un code, par exemple, un code à 4 chiffres. 10, 20, je dis n'importe quoi, hein, vous choisissez le code que vous voulez. 10, 20, 14, 15, n'importe quel code, 00, 4 fois, je ne sais pas. N'importe quel code que vous allez activer dans le code anti-phishing. Et donc, quand vous le faites sur tous les mails que Binance va vous envoyer, vous devez voir ce code-là dans le mail. Donc, si ce code-là n'apparaît pas dans un mail donné, alors sachez que le message n'est pas envoyé par Binance. Et donc, du coup, c'est du phishing, c'est de l'usurpation d'identité. Donc, vous ne prêtez pas attention à ça. Et donc, voilà les niveaux de sécurité que vous devrez activer. Il y a le two-factor authenticator, il y a le withdraw whitelist, il y a le withdraw whitelist, 24 heures limite. Il y a le code anti-phishing. Donc, vous allez activer ces trois codes et ces quatre mesures. Vous allez prendre ces quatre mesures de sécurité et vous êtes sûr que personne ne pourra avoir accès à votre portefeuille si ce n'est pas vous. Si vous ne le donnez pas accès, au fait. Et donc, maintenant que nous avons vu comment est-ce que vous pourrez sécuriser votre compte Binance, nous allons voir maintenant comment est-ce que vous pourrez vérifier votre identité sur Binance. Alors, pour vérifier votre identité sur Binance, il suffit tout simplement encore de venir dans là où on était parti. Vous venez dans vous cliquez sur ce petit logo qui est ici et là vous venez dans identification. Donc, dès que vous cliquez sur identification, vous allez voir il y a trois niveaux de vérification d'identité, il y a le niveau basique, il y a le niveau intermédiaire et il y a le niveau avancé. Pour le niveau basique, comme vous le voyez ici, c'est ça, vous insérez, vous donnez
tout simplement vos informations personnelles, par exemple votre nom, votre date de naissance, votre lieu de naissance, et toutes les informations personnelles à vous. Donc, vous cliquez sur vérifier et donc ça vous demandera ces informations que vous allez donner et Binance va vérifier votre compte. Et là, quand vous vérifiez, vous pourrez avoir, genre, vous pourrez déposer jusqu'à 300 dollars par jour. Voilà, 300 dollars par jour. Faites une opération de 300 dollars par jour sur votre compte. Le second niveau, c'est le niveau intermédiaire. Pour le niveau intermédiaire, pour vérifier le niveau intermédiaire, ça demande beaucoup plus d'informations, en fait. Et vous allez fournir votre carte d'identité ou bien votre passeport, votre pièce d'identité, au fait. Vous allez faire la reconnaissance faciale. Et donc, vous venez sur ça, vous cliquez sur vérifier tout simplement, et puis ça vous demande. Vous allez suivre le processus pour le faire. Et ça, là, ça vous permet d'effectuer des opérations jusqu'à, c'est-à-dire d'échanger entre 50 000 dollars jusqu'à 50 000 dollars par jour ou bien 500 000 dollars par mois. Et il y a le troisième niveau qui est le niveau avancé. Moi-même, je ne l'ai pas encore. Par exemple, sur le niveau 3, ils vont vous demander la preuve d'adresse. Une preuve d'adresse, ça sera une adresse de résidence, certificat de résidence ou bien attestation de résidence. Vous allez fournir je crois aussi, votre date de naissance et votre acte de naissance. L'acte de naissance que vous devez fournir. Le lieu qui est sur l'acte de naissance, c'est le lieu qui va apparaître sur l'attestation de résidence, le certificat de résidence. Et donc, du coup, si ça n'apparaît pas, et puis tu envoies ça après 10 jours, on dit que l'opération là, que ça n'a pas, que ça a failli. Donc, mais comme je ne fais pas encore d'opération de plus de 200 000 dollars par jour ou bien de plus de 2 millions de dollars par jour, par mois, bon, je ne me sens pas encore obligé de le faire. Et donc, du coup, je vais le faire après. Et si vous avez la possibilité, je vous recommande très, très sincèrement de l'activer aussi. Ça ne vous coûte rien. Et donc, c'est comme ça que vous pourrez vérifier votre identité sur Binance. Maintenant que vous savez comment pour vérifier votre identité sur Binance, nous allons voir maintenant comment est-ce que vous pourrez acheter des crypto-monnaies par votre carte Visa. Pour acheter des cryptos sur Binance par votre carte bancaire, vous allez cliquer sur ici, Buy Crypto. La plateforme est en anglais chez moi, vous pouvez mettre ça en français, ça veut dire acheter des cryptos. Buy Crypto. Donc, nous allons acheter du dollar ou bien de l'euro. Vous ne pouvez pas acheter directement de crypto-monnaie sur votre carte ou bien directement de Bitcoin, de ETH, non. Vous ne pouvez pas acheter directement des crypto-monnaies par carte bancaire, mais plutôt vous allez acheter du dollar, de l'euro que vous allez après échanger contre n'importe quelle crypto-monnaie que vous voulez. Donc, nous allons d'abord voir comment est-ce que nous allons acheter du dollar et le convertir après en Bitcoin et tout sur la plateforme en fait. Donc, vous cliquez sur Buy. Bon, moi, je choisis le dollar, hein, Buy, et puis vous faites Credit Card, achat par carte de crédit. Vous pouvez aussi faire l'achat par transfert bancaire. Ça prend beaucoup plus de temps avant d'être validé. L'achat par transfert bancaire, pas le transfert bancaire, au fait. Vous allez voir. Attends, on vient sur ça rapidement. Donc, quand vous choisissez achat par virement bancaire, ça prend beaucoup plus de temps, mais c'est beaucoup plus rapide, au fait. Ça ne prend pas de frais. C'est 0%, 0 dollar de frais. Ça ne prend pas de frais, est-ce que vous voyez? Donc, il y a plusieurs banques ici. Ce ne sont même pas des banques béninoises. Bon, en tout cas, ce ne sont pas des banques africaines, mais plutôt, hein, c'est des banques chinoises, je ne sais pas du tout. Et donc, ce que moi, je vous recommande, c'est d'acheter ça par carte bancaire. Donc, on va aller faire l'achat par carte bancaire. Donc, comment ça va se passer? Vous cliquez sur Buy Crypto, vous cliquez sur Credit Card ou Debit Card. Donc, ça, c'est les cartes Visa ou bien les Mastercard. Donc, je clique oui. Et donc, quand vous allez cliquer dessus, nous allons choisir la crypto. Il y a ici, vous mettez le montant. Le montant, c'est le minimum ici. Si on peut acheter par dollar, c'est 15 dollars. Minimum 15 dollars, 15 à 15 000 dollars. Donc, c'est la limite, au fait. Donc,
Vous mettez le montant que vous voulez. Je mets par exemple 20 dollars. Je mets 20 dollars. Et donc, ça fera 0,00613 Bitcoin. Vous pourrez changer la crypto-monnaie et taper le nom de la crypto-monnaie que vous voulez. Je mets doute par exemple. Et puis, je fais continuer. Je fais continuer. Quand je clique sur continuer, ça me demande d'ajouter ma carte bancaire. Donc, je fais ajouter. Et donc, ça me demande, ici, vous allez mettre votre nom au complet. Right? Le nom qui est ici, le nom que vous avez renseigné en créant votre compte, ça doit être le nom. En fait, c'est ce nom-là que ça met ici, en fait. Donc, ça doit être le nom sur votre carte. Et là, vous mettrez le numéro de la carte. Vous renseignez le numéro de la carte, vous renseignez la date d'expiration de la carte et puis vous renseignez le code CSV de la carte. Et après, vous validez. Et donc, quand vous validez, vous allez acheter de l'euro et bien du dollar sur votre compte que vous allez après convertir en n'importe quelle crypto-monnaie que vous voulez. Donc, c'est simplement comme ça. Maintenant que vous avez vu, vous comprenez comment est-ce que vous pourrez acheter de crypto-monnaie par carte bancaire sur Binance. Nous allons voir maintenant comment est-ce que vous pourrez faire des dépôts ou bien des retraits sur Binance. Pour faire des dépôts et des retraits sur Binance, on va aller dans portefeuille. Ça, c'est wallet. Ça, c'est portefeuille. On va aller dans portefeuille spot. On va dans portefeuille spot. Et donc, du coup, quand le portefeuille va apparaître, nous allons chercher la crypto-monnaie que nous voulons ajouter. Donc, on lance la recherche ici. Je suppose que ici, vous lancez la recherche ici. On veut acheter quelle crypto-monnaie, par exemple. On veut déposer du bon, quelle crypto-monnaie, n'importe lequel. De l'Ethereum. Bon, de l'Ethereum, je mets ETH. Bon, il y a de l'Ethereum, donc je mets l'Ethereum. Voilà. L'Ethereum qui apparaît. Donc, je clique sur. Il y a l'Ethereum qui est là. Et qu'est-ce que je veux faire? On veut faire de dépôt. Donc, je veux déposer de l'argent sur l'Ethereum. Donc, je clique sur déposer. Bon, quand je fais dépôt, vous allez voir, ça va m'afficher cet écran-là. Et sur l'écran, je vais choisir le réseau sur lequel il y a d'abord crypto-monnaie Ethereum. Et donc, le réseau, je vais choisir le réseau sur lequel je vais recevoir l'argent. Tu peux choisir le réseau. BEP2, le réseau Binance Smart Chain ou bien le réseau ERC20. ERC20, c'est le réseau Ethereum. Ça, bon, moi, je vais choisir le réseau BEP20. Donc, quand vous choisissez un réseau, en fait, quand vous choisissez un réseau, vous devrez notifier à celui qui veut vous envoyer parce que c'est un dépôt. Donc, il faut que l'argent quitte, bien la crypto-monnaie quitte un autre compte pour votre compte. C'est ce que ça vous a tout simplement dit. Et donc, vous devez notifier à la personne qui veut vous envoyer l'argent que vous avez utilisé le réseau BEP20 Smart Chain, c'est-à-dire le réseau Binance Smart Chain, Binance Chain ou bien le réseau ERC20. Mais il y a plusieurs réseaux. Il y a le réseau également de Tron. Il y a tellement de réseaux. Donc, du coup, quand vous voulez recevoir de l'argent, vous allez notifier la personne que c'est par tel réseau que vous allez. Que vous avez copié cette adresse. Donc, c'est votre adresse de Ethereum. Ici, l'adresse qui est ici, c'est votre adresse de Ethereum. Vous allez, voilà, l'adresse là. C'est votre adresse Ethereum, ça. Donc, vous allez copier cette adresse tout simplement. Vous copiez et vous allez envoyer cette adresse-là à celui qui veut vous envoyer l'argent. Si c'est que vous voulez transférer l'argent, bien la crypto-monnaie de votre portefeuille sur votre compte d'échangeur, alors dans votre portefeuille, vous allez notifier là-bas que c'est le réseau Binance Smart Chain. Tout simplement. Et donc, vous envoyez cette adresse à la personne. Si c'est un vendeur, vous l'envoyez cette adresse, vous le notifiez que c'est le réseau Binance Smart Chain. Et donc, du coup, il va vous envoyer l'argent par la crypto-monnaie, par le réseau Binance Smart Chain et l'argent sera apparu sur votre compte. Et donc, c'est comme ça que vous allez faire le dépôt de n'importe quelle crypto-monnaie. Vous pourrez choisir n'importe quelle crypto-monnaie que vous voulez. Je choisis par exemple, je veux ajouter des USDT, c'est un stablecoin. Je choisis le réseau, vous allez voir qu'il y a plusieurs réseaux. Le réseau TRC20, c'est le réseau de Tron. Le réseau ERC20, le réseau Ethereum. La Binance Smart Chain et la Binance Chain.
Donc, il y a plusieurs réseaux. Vous choisissez le réseau que vous voulez. Et donc, vous notifiez à la personne que c'est. Je veux prendre de l'USDT, mais c'est le réseau TRC20. Donc, si la personne n'a pas de réseau TRC20, il va vous dire que non. Je préfère Binance, le réseau BEP20, ou bien Binance Smart Chain, ou bien ERC20. Donc, ça dépend de celui chez qui vous voulez acheter, ou bien pas, où vous pourrez effectuer, au fait, l'opération. Donc, vous copiez cette adresse, puis vous envoyez la personne, puis la personne pourra vous envoyer. Bon, maintenant que vous avez vu comment est-ce que nous pourrons déposer de l'argent sur notre Binance, sur notre échangeur Binance, nous allons voir maintenant comment est-ce que vous pourrez retirer également de l'argent, c'est-à-dire enlever des crypto-monnaies de votre échangeur vers votre portefeuille ou bien vers d'autres endroits. C'est-à-dire, l'argent va quitter votre échangeur, votre portefeuille échangeur pour l'extérieur. Parce que quand pas de dépôt, c'est-à-dire l'argent va quitter l'extérieur pour votre compte. Mais quand on parle de retrait, l'argent va quitter votre compte pour l'extérieur. Et donc, on va voir tout simplement comment est-ce que vous pourrez faire des retraits sur Binance. Alors, on y va. Donc, vous cliquez sur portefeuille, vous allez dans Fiat and Spot, c'est-à-dire vous êtes dans le portefeuille Spot. Et donc, dès que le portefeuille Spot va apparaître, vous allez taper le nom de la crypto-monnaie. Vous pouvez chercher la crypto-monnaie que vous voulez retirer, au fait. Donc, vous tapez le nom de la crypto-monnaie. Donc, il y a déjà des crypto-monnaies ici. Donc, ici, c'est le retrait. Withdraw, c'est retrait. Et donc, vous cliquez sur retrait et ça va demander l'adresse vers laquelle vous pourrez faire le retrait. Ça va vous demander le réseau également. Donc, vous choisissez le réseau, l'adresse et c'est la même chose que le dépôt. Et donc, vous faites l'envoi et puis vous confirmez. Ça va vous demander le code d'authentification. Vous allez confirmer le code d'authentification. C'est très simple. Allez, vous allez voir. Et donc, maintenant, nous allons voir comment est-ce que vous pourrez échanger des crypto-monnaies entre eux. Mais pour échanger des crypto-monnaies entre eux, nous allons venir sur Trade. On va venir sur l'option Trade. Et nous allons voir qu'il y a plusieurs manières, en fait, plusieurs outils pour faire la conversion. Vous allez dans Trade, il y a Convertir. Ça, c'est l'outil de base, l'outil basique pour la conversion. Vous allez voir, c'est très simple. On clique là-dessus. Et donc, du coup, si vous avez des USDT, vous allez choisir la crypto-monnaie que vous avez actuellement. Je suppose que c'est du Bitcoin que vous avez ou bien c'est de l'Ethereum, mais du BNB. Quelle crypto-monnaie vous avez? Donc, je suppose que c'est du BTC. Donc, je clique sur BTC. Donc, j'ai du BTC que je veux échanger contre quoi? De quoi? De l'Ethereum. Donc, je cherche l'Ethereum. Donc, je veux convertir mes Bitcoin en Ethereum. Je mets le montant, je clique sur Enter Amount. C'est-à-dire, après, on met le montant dedans. Donc, quand vous mettez le montant dedans, ça va afficher confirmer. Si vous avez confirmé tout simplement, et puis l'échange est fait. Si vous avez de USDT que vous pouvez échanger contre l'Ethereum, c'est pareil. Vous mettez le montant, c'est entre 20 et 25 000 dollars. Donc, vous mettez le montant, je suppose, un montant. Et là, ça va convertir automatiquement ici en Ethereum. Vous faites preview. Prévoir, puis on voit d'avance la conversion. Et vous faites la conversion tout simplement. Il y a une seconde manière, c'est une manière beaucoup plus avancée que la conversion de base. Donc, vous entrez dans Trade, vous venez dans la conversion classique, au fait. Donc, nous rentrons dedans et puis la plateforme va s'afficher avec beaucoup plus d'outils. Et donc, quand vous rentrez ici, nous allons voir en même temps l'ordre limite, ordre de marché et puis ordre stop limite. Parce que pour faire la conversion avec cet outil, vous devez savoir toutes ces notions, en fait. D'abord, nous allons parler sur l'ordre du marché. Nous voulons faire la conversion sur l'ordre du marché. Donc, vous venez ici, vous cliquez sur ordre market. Ordre market. Donc, je suppose que vous voyez actuellement le prix est à 32 000. Nous sommes sur le marché du Bitcoin USDT. Vous pouvez changer le marché. Hein. Vous cliquez ici. D'accord? Quand vous mettez la souris à ça, vous changez le marché. Je suppose que nous trouvons le marché de DOT. Polkadot. Donc, on veut Polkadot USDT. Donc, Polkadot USDT va venir. Donc, il y a le marché de Polkadot USDT qui est venu actuellement au lieu du Bitcoin. Donc, Polkadot USDT. Je suppose maintenant que vous avez de USDT.
Donc, vous avez vu que le marché de Polkadot a chuté et que vous voulez l'acheter. Donc, vous allez échanger vos USDT contre du Polkadot. Parce qu'avant de faire d'abord la conversion, il faut savoir ce que vous avez et ce que vous voulez obtenir. Si c'est de l'USDT que vous avez et que vous voulez acheter de BNB, vous devez choisir la paire BNB-USDT. Si c'est du Bitcoin que vous avez et que vous voulez convertir ça en USDT, ou bien vous avez du USDT que vous avez acheté, bien convertir ça en BNB, alors vous allez prendre la paire BNB-USDT ou bien Bitcoin-USDT. C'est-à-dire les deux paires que vous avez, ce que vous avez et ce que vous voulez. Donc vous choisissez les paires, une paire, parce que le marché évolue par paire en fait. Ça évolue par paire, pas parité. Donc vous choisissez la paire Bitcoin. USDT, si vous avez du USDT, vous le convertissez en DOT. Donc, je suppose que vous avez du USDT. Donc, vous le convertissez en DOT. Vous avez la possibilité de faire ça par ordre sur l'ordre de marché, c'est-à-dire le marché est à 14 dollars actuellement et vous voulez acheter ça en même temps à 14 dollars. Donc, vous avez 14 USDT. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous appliquez ordre du marché et là, vous mettez. Il y a le prix du marché qui est déjà là. Donc, vous avez dit ordre, market order, vous mettez le montant de USDT que vous voulez vendre, 15. Donc, vous allez acheter 15 dollars, je suppose 15 dollars. D'accord? 15 dollars de Polkadot. Donc, vous faites buy my dot, vous cliquez sur buy my dot et donc, du coup, vous allez acheter. Si vous avez déjà, vous pouvez aussi faire les achats par pourcentage, en fait. Ceci, ça permet de vous d'acheter un certain pourcentage de la crypto-monnaie que vous avez. C'est-à-dire, si vous avez 100 dollars de USDT, mais que vous voulez acheter seulement 10%, c'est-à-dire achat par palier, alors vous pourrez voir ça ici, régler ça ici. Moi, je vais acheter 25%, bien 50%, bien 75%, bien 100%, moins que ça, je ne sais pas. Vous vérifiez, vous réglez ça, en fait. Vous réglez le pourcentage de votre portefeuille que vous voulez acheter. Donc, vous le réglez et ça sera automatique. Vous n'avez pas besoin de mettre le montant manuellement. Vous avez le pourcentage et lui-même, il met le montant, vous faites acheter. Donc, si c'est que vous avez du DOT, vous voulez acheter du USDT, alors vous allez faire sell. Et vous allez faire du sell au prix du marché. Donc, quand vous lancez l'ordre en même temps, ça s'exécute en même temps. Maintenant, vous avez encore la possibilité de faire de l'ordre limite. Et l'ordre limite, c'est quoi? Vous avez vu que le marché est en train de chuter, par exemple. Le marché est en train de chuter. Vous voyez? Dès que le marché chute là actuellement, le marché est à 15, à 14, bon, à 14,93. Donc, vous savez que le marché peut venir jusqu'à combien? Je suppose, par exemple, je raconte de n'importe quoi, je n'ai pas fait d'analyse. Vous supposez que le marché peut venir à 7 dollars. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous pourrez placer un ordre limite. Donc, quand le marché va venir au niveau de 7 dollars, c'est à ce moment-là que vous avez acheté parce que vous dites que le marché peut venir jusqu'à 7 dollars. Donc, moi, je vais placer mon ordre à 7 dollars. Donc, même si je ne suis pas là, quand le marché va toucher les 7 dollars, le marché va exécuter automatiquement mon ordre. Donc, ça serait acheté. Donc, comment ça se passe? Ça se passe, vous venez sur limite. Et quand vous venez sur limite, vous mettez le prix auquel vous voulez acheter. Nous, on veut acheter ça à 7 dollars, je suppose, hein, 7 dollars. Donc, je mets 7 dollars. Et là, le montant que nous voulons acheter, le montant, mais le montant qu'on peut acheter ou bien en pourcentage. Je suppose que quand ça va venir à 7 dollars, je vais acheter peut-être 10% de mon portefeuille ou bien 5% de mon portefeuille. Donc, je mets 5% et puis je valide. Si c'est la vente, pareil, je vends. Donc, c'est de l'ordre limite au fait et de l'ordre limite. Achat ou bien vente de l'ordre limite. Donc, c'est à vous de voir. Donc, quand vous prévoyez que le marché peut chuter jusqu'à un certain montant donné, vous pouvez acheter sur ordre limite. Et vous pouvez aussi faire ordre stop limite. Ordre stop limite, c'est quoi? C'est de l'ordre, d'abord, ordre limite d'abord. Et après, il y a stop. Donc, c'est deux ordres en même temps. Et comment ça fonctionne, l'ordre stop limite? Nous sommes là. D'accord? Et vous avez prévu que le marché peut descendre jusqu'à 7 dollars. D'accord? Le marché peut descendre jusqu'à 7 dollars. Donc, je place mon ordre limite là. On place mon ordre limite à 7 dollars.
Donc, je suppose que le marché peut venir à 5 $. Donc, quand le marché va venir à 7 $, moi, je vais acheter à, je suppose, peut-être 15% ou bien 20% encore de mon portefeuille. Je suppose 25%. Bon, j'ai mis 26%. Donc, quand le marché va venir à 7 $, je suppose que je vais acheter 26% de mon portefeuille. Donc, je mets le montant que je veux ou bien je règle le pourcentage. Maintenant, le stop. Le stop, c'est quoi? Quand il arriverait que le marché va chuter plus que les 7 $, mais que je ne suis pas prêt à consommer cette perte, je peux stopper. Donc, je dis par exemple, quand le marché chute jusqu'à 7 $, je vais acheter. Mais quand ça dépasse les 7 $ et que ça revient au niveau de 6 $, là, parce que quand tu achètes, tu es sur le marché. Donc, tu te dis, quand ça va descendre au-dessous de 7 $, que ça viendra au niveau des 6 $ ou bien 5 $, je vais quitter le marché. Je vais vendre, en fait. J'achète perdre de 2 $ sur ça. Ou bien j'achète de perdre 4 $ sur ça. Ou bien j'achète de perdre 5 $ sur ça. Donc, j'achète à 7 $. Mais quand le marché va venir à 6 $, je vais vendre. Ou bien quand le marché va venir à 5 $, je vais vendre. Donc, à ce niveau, tu viens au niveau du stop. Donc, je vais l'acheter à 5 $. Mais quand ça va descendre en fait, quand ça va descendre à 6 $ ou bien à 5 $, moi, je vends. Donc, je mets peut-être à 7 $. Donc, quand ça descend à 6 $, moi, je vais vendre. Donc, j'essaie de perdre 6 $ sur ce compte. Et ça, le stop, en fait. Et donc, du coup, vous mettez le montant et puis vous achetez. Donc, quand vous l'achetez comme ça, vous avez placé non seulement de l'ordre limite, quand ça va venir à 5 $, vous allez l'acheter, mais vous avez encore placé un ordre maximal de perte. Donc, quand le marché, si votre configuration est acceptée et respectée, du coup, ça dit que le marché est acheté. Mais que le marché ne commence pas à monter et puis ça descend, vous vous fixez encore une perte maximale que vous pourrez supporter. Donc, quand ça atteint le niveau de la perte maximale que vous vous êtes fixé, alors le marché va s'exécuter automatiquement. Donc, vous n'allez pas consommer la perte. Donc, en fait, placer des autres limites vous fait éviter beaucoup de choses. Ça vous permet non seulement de ne pas de ne pas vous concentrer sur ce que le marché est en train de faire à court terme, parce que le marché peut faire des variations, des va-et-vient. Mais l'objectif pour le trader, pour l'investisseur plutôt, c'est d'acheter beaucoup moins cher. Moi, je n'achète pas au prix du marché. J'achète souvent sur limite ou bien par ordre stop limite. C'est-à-dire, je dis que le marché est en train de descendre. Donc, quand ça va descendre juste à ce niveau, moi, je vais l'acheter. Mais je ne l'achète jamais au prix du marché. Je ne l'achète pas au prix du marché. J'attends pour que ça descende jusqu'au niveau où je veux et je place l'ordre d'avance. Je place l'ordre d'avance, je place l'ordre limite ou bien l'ordre stop limite. Et donc, quand mon niveau est atteint, j'achète un certain pourcentage. J'avais déjà dit dans la précédente vidéo que j'ai produite, que la meilleure technique, la meilleure manière d'investir, c'est d'acheter par palier, le dollar cost average. Vous achetez un peu à chaque fois que le marché chute bien, même si le marché est en train de monter. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, ce que moi, je fais, je place les ordres d'avance. Donc, quand le marché vient à tel niveau, moi, j'achète un certain pourcentage. Quand ça vient à tel niveau, j'achète un certain pourcentage. Mais je n'achète jamais au prix du marché. Ça me permet de me libérer du stress, de ne même pas regarder le marché. Donc, du coup, le marché fait ce qu'il veut. Je m'adapte à ce qu'il fait. Et puis, j'achète. Et donc, chers amis, ça sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, comme je vous le dis, nous allons parler du staking, du lending, des launch pools, des launch pads. Nous allons parler du Binance Academy, une académie qui vous permet d'apprendre tout sur la technologie blockchain, sur la crypto-monnaie. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser des likes pour augmenter le référencement de la chaîne. Abonnez-vous pour que nous puissions augmenter l'audience. Ça me permettrait, ça me motiverait à vous produire beaucoup plus de vidéos sur l'investissement, sur le business en ligne. Je mets un lien en commentaire pour ceux qui souhaitent se lancer dans, ceux qui souhaitent développer d'autres sources de revenus, sur l'affiliation sur Amazon ou bien l'affiliation sur System.io. Je mets un lien en description. Vous pourrez créer un compte System.io gratuitement, prendre un abonnement.
ou suivre une formation à l'affiliation Système.io. Je mets le lien en description. Donc, ciao, ciao pour une prochaine vidéo. Here I turn 26. I mean, $49 million, which really pissed me off because it was three shots. We're making a name for ourselves.